Bonne année, bonne santé, et casse-toi la gueule dans l'escalier Jean-René. Eh bien, salut à tous et à toutes, aujourd'hui c'est Motor, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, dernière vidéo de l'année 2018, quelle année pourrie, je peux le dire, puisque j'ai eu très peu de temps à mettre dans cette chaîne, et j'en suis moi-même navré. Bon, j'espère que 2019 sera un petit peu meilleur au niveau emploi du temps, parce que c'était un peu hardcore cette année, mais bon, espérons que les choses changent. Et donc, pour finir tranquillou 2018, je vais vous proposer une petite creepypasta. Un truc à l'ancienne. Alors, pas réellement à l'ancienne, puisque Michel ne sera pas là aujourd'hui. Je vais parler de la creepypasta Je fais semblant, que j'ai renommée Ma femme simule pour faire plus de vues. Mais vous allez comprendre, hein, c'est logique. Tout roule, on est parti. Donc, cette creepypasta est un texte écrit par un mec dépressif qui n'avait que ça à faire. Et puis, vu que toi aussi tu es dépressif et t'as que ça à faire, tu vas le lire. Et ça commence maintenant. Quand je dis bonjour à ma femme le matin, je fais semblant. Quand je la remercie pour son merveilleux petit déjeuner, je fais semblant. Alors honnêtement, Motor, il prend qu'un café le matin. C'est une chose à savoir. Quand elle me voit aller au travail, je fais semblant. Quand elle m'appelle au boulot, ça c'est un truc dont j'ai horreur, et que je lui dis combien elle me manque et que je l'aime, je fais semblant. Quand je rentre à la maison et que je mange le repas qu'elle a préparé, je fais semblant. Ça c'est un truc qui m'est jamais arrivé. Quand je rentre, je suis obligé de me faire à manger, moi perso. Lorsque ses parents appellent, disant qu'ils veulent nous rendre visite pour la première fois depuis des années et des années, je fais semblant. Lorsque les voisins me demandent comment je vais depuis l'accident, je dois faire semblant. Quand je tire les rideaux pour m'assurer que personne ne peut nous voir, je dois faire semblant. Quand je la baise, je fais semblant. Quand ma femme commence à sentir horriblement mauvais, c'est des trucs qui n'arrivent réellement pas souvent, je dois faire semblant. Quand ma femme commence à se décomposer de plus en plus rapidement, je dois faire semblant. Ah, tu m'étonnes, ta femme elle est dans un état, mon pauvre garçon. Quand ma femme souhaite me dire bonne nuit, je dois faire semblant. Parce que si j'arrête une seule seconde de faire semblant, la chose qui s'est glissée dans le corps de ma femme et qui l'a fait bouger pourrait décider, elle aussi, d'arrêter de faire semblant. Et c'est ainsi que cette creepy se termine. C'était particulier, je vais la débriefer parce qu'il y a pas mal de choses à en dire, mine de rien. Débriefing. Alors on va commencer par vous résumer l'histoire pour les 2-3 gros teux qui auraient rien compris. C'est donc les aventures d'un gars qui est triste. Il vit avec une femme depuis, je pense, un petit moment, et cette femme a eu vraisemblablement un accident qui lui a coûté la vie. Sauf que, apparemment, elle n'est pas morte. Puisqu'une créature, un être maléfique ou un alien du futur, je sais pas trop, a pris possession du corps de sa femme morte, et elle continue à vivre la vie de tous les jours. Et lui, du coup, il flippe que la bestiole qui a pris possession de sa femme le bouffe ou le tue au choix, et il décide donc de continuer sa vie monotone et chiante tous les jours jusqu'à on ne sait pas quoi, puisque le mec flippe et il voit juste sa femme se décomposer tous les jours comme un cadavre et il ne fait rien. Alors l'image est assez choc, mais ça me fait penser pas mal au conte de la crypte, et je trouvais l'histoire un petit peu sympa vu que j'aime beaucoup les contes de la crypte. Mais je me suis dit, c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il y a un sous-texte à cette creepy. Alors j'ai regardé pas mal de commentaires, hein, et personne n'en parlait. Et ça m'a fait penser assez bêtement à une chanson de Claude François, Comme d'habitude, où un mec raconte sa vie de couple, et tout va mal en fait, tout se décale, tout est triste, tout est lambda. Et là, je me suis dit, ah, donc on peut lire la creepypasta sous un autre angle. L'accident pourrait tout simplement être une tromperie de l'un ou de l'autre, et les deux continuent à vivre dans une vie qui leur plaît pas, et ils font tout simplement semblant de s'aimer et de cohabiter. Et je pense que c'est un peu la sous-lecture triste de la creepypasta. Je sais pas si c'était voulu, je sais pas si c'est uniquement mon esprit qui m'a dit « Motor, la creepypasta elle a deux sens, et c'est comme ça ». Et je trouve ça sympa, et je me suis dit « On va terminer l'année avec une histoire soit de mort, soit de rupture, soit de tromperie, bref, un truc vraiment classe. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous bisous, je vous aime, ou pas, au choix. »